Hello, nous sommes donc lundi, nouvelle semaine et dernière semaine de stage pour moi. Pour l'instant, il fait pas si chaud, je pense, ce matin. Parce qu'il est quand même 6h, du coup, j'ai mis un petit pantalon. Après, je rentre chez moi, donc ça va. Enfin, non, après, je rentre pas vraiment parce qu'à 15h, j'ai le prof à Lucie. Parce que j'ai demandé à voir ma copie avant les rattrapages qui sont la semaine prochaine. Non, si. Oh, déjà, non, mais ça passe trop vite, les gars. Voilà, je suis arrivée, je suis garée. Il est 6h10, c'est nickel. Je commence dans 15 minutes. Donc, je vais aller tranquillement me changer, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouvera en début d'après-midi. À toutes. Hello, me revoilà, ça y est, j'ai fini ma journée. Il fait encore trop chaud dans la voiture. On m'a fait la réflexion. Au lieu de te plaindre qu'il fait chaud, tu devrais mettre la clim. J'arrive dans la voiture, je vais pas arriver, hop. Et généralement, je mets pas la clim, sauf si je dois être sur une route, ou si tu roules vite et quand tu ouvres les fenêtres, du coup ça fait du bruit. Mais sinon, j'ouvre les fenêtres, voilà, question écologique. Voilà, voilà. Ok, c'est cool la clim, mais si tu peux ouvrir les fenêtres pour te rafraîchir, autant faire ça. Et là, du coup, je vais direction l'IFSI, je vais récupérer mes tenues en même temps. Et j'ai rendez-vous avec une prof, en fait, elle va me montrer ma copie que j'ai ratée, de la matière que j'ai ratée. Et correction, tout ça, pour que je prenne des notes, blablabla. J'espère que ça va bien se passer, parce que je l'ai déjà fait une fois. Et comment vous dire que ça a duré 5 minutes, j'ai rien pu noter, j'ai pas pu, enfin j'ai pas vraiment pu bien voir tout ça, donc c'était pas top, mais c'était pas sur cette matière. Bref, on s'en fout, direction l'école et vite que je parte et que j'ouvre les fenêtres parce que là c'est chaud. Bon, je viens de finir, c'était top, j'ai pu noter plein de trucs, je suis désolée, il y a la radio qui va se mettre dans pas longtemps, attention. Hop. Du coup j'avais prévu de tourner une vidéo là pour la mettre aujourd'hui, mais finalement j'ai fait une petite annonce snap en disant que désolée mais non, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire un truc bâclé juste pour dire je mets une vidéo parce que je dois mettre une vidéo. Donc voilà, je suis désolée, en ce moment je me concentre un peu plus sur mon stage et mes cours. Mais je pense que vous pouvez comprendre, voilà, YouTube n'est pas mon métier, donc voilà, c'est la vie hein. Bon, me revoilà, on dirait que je viens de me lever. Non, en vrai je viens de me doucher puis finalement là je sors directement de la douche hein. Je voudrais bien vous poser pour défaire mon chignon. Voilà, est-ce que je peux vous poser? Oui, je disais, du coup j'avais chaud et tout, puis en fait j'avais envie d'être, enfin j'étais en pantalon, je mourrais de chaud. Et je voulais me poser pour réviser, donc je me suis dit, allez hop, je prends ma douche, comme ça après je me mets en pyjama direct. Même s'il est à peine, y aurait-il 16h30, mais bon je m'en fous. Comme ça je suis bien, je suis tranquille, la douche est faite. Et je vais pouvoir réviser un peu, je dois modifier un truc pour la vidéo de jeudi, j'ai des photos Insta à faire. J'ai des trucs à envoyer, des mails à répondre, tout ça. Mais on dirait que j'ai encore du noir sous les yeux. Je me suis démaquillée à l'huile sous la douche, quand je l'ai sorti de la douche j'avais du noir partout. J'ai essayé d'enlever mais j'ai l'impression que ça faisait un peu... Ouais non, ça fait un peu rouge quoi, bref. Sinon, bah sinon c'est tout hein, j'ai même pas de colis à vous montrer, écoutez. Hier on allait manger chez la maman de mon copain, manger un petit barbecue, c'était cool. Voilà, voilà, je vous l'ai dit que j'étais allée chez mes parents samedi. J'ai ramené des sandales, il me semblait que j'avais qu'une seule paire de sandales et un peu vieille. Et j'en ai retrouvé une paire, je me suis dit mais oui, je les avais achetées l'année dernière chez H&M, elles sont toutes neuves et tout. Du coup je les ai ramenées, voilà, c'était l'histoire de ma vie. J'ai essayé de prendre une douche tiède quand même parce qu'il fait chaud, mais j'ai quand même chaud là. Je veux un ventilateur. Quel temps fait-il à l'intérieur? Il fait 26,5 à l'intérieur de l'appart. Il fait tout sombre dehors, enfin tout un peu gris et quoi, mais il fait lourd en fait. C'est un peu chiant, demain ils annoncent de l'orage, on verra bien. Non c'est pas demain, je crois que c'est mercredi. Je sais pas pourquoi je me crois mardi, mais non. Je pense que je vais manger un petit goûter, je sais pas quoi encore, je n'en ai aucune idée. Je sais pas, j'en sais rien. J'avoue que j'aurais envie de faire la sieste, pourtant je me suis couchée assez tôt hier soir, hein, parce que vu que je me levais tôt, mais... ça n'a pas suffi. Il est 18h35. J'essaie de relire un peu mes fiches, mais franchement, c'est très compliqué parce que je suis très fatiguée. Que du coup, je m'endors sur mes fiches. Enfin, je m'endors. Ça passe par là, ça ressort par là. Là. Ça passe par la tête, du coup, parce que ça passe pas trop vers les oreilles, puisque personne ne me le dit. Du coup, là, j'étais en train de copier sur mon ordi tout plein de vocabulaire. Comme ça, je vais me faire toute une fiche sur l'ordi que je vais m'imprimer. Avec tout le vocabulaire, parce qu'en fait j'ai énormément de fiches, mais j'ai pas une fiche avec que le vocabulaire en fait. C'est un peu dans toutes les fiches, donc du coup je me dis j'allais me faire ça.
en plus d'écrire. Ça me permet de mieux me concentrer, mais là je commence à avoir vraiment très très mal à la tête et je peux pas reprendre de doliprane parce que j'en ai pris un à quelle heure? J'en ai pris un en sortant, quoi, qui était 14h30. Ça fait pile 4 heures. Mais je vais attendre encore un petit peu parce que j'aimerais bien être ne pas avoir mal à la tête, tout ça, pour la nuit en fait. Donc du coup, je vais attendre un petit peu. Je vous avoue que j'ai envie d'aller me coucher. Limite, je suis sûre que je peux aller me coucher maintenant et me relever que demain matin, quoi. Je risque quand même d'avoir un petit peu faim, mais bon. Du coup, j'espère que mon copain rentrant va bien vouloir faire à manger parce que là, franchement, c'est vraiment pas la motivation. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai un peu mal au ventre. Enfin bref, voilà, voilà, la vie. Donc, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog parce qu'il va rien se passer d'autre. Voilà, la tristesse, il y a pas de colis, y a rien. Pas très intéressante ma journée, mais bon, pour moi ça a été hyper chargé et très fatigant, mais pour vous vous voyez pas grand chose, mais bon, I'm sorry, mais c'est comme ça. Donc je vous fais de très gros bisous. Quand vous verrez ce vlog, nous serons, je crois que nous serons mercredi, donc si nous sommes mercredi quand vous voyez ce vlog, il n'y a pas de vlog demain les gars, mais il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale demain à 17h, c'est le plus important, voilà. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à demain sur ma chaîne principale et à après-demain ici sur la chaîne de vlog. Gros bisous.